Yop tout le monde, c'est Miller7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Je suis sur Sauver le Monde comme d'habitude. On va se faire les petits défis, une visite inattendue. Ça se passe sur 2, 4, 7, 9, 13, 17 missions. Si j'ai bien calculé. Wow, c'est quoi ces armes? Du coup, c'est pas mal. Du coup, je vais commencer par le comète. Par la comète. Hein. Pièce d'aspirateur trouvée. Ah, mais ça, on s'en fout, c'est l'autre truc. Ah, c'est en puissance 76 quand même. Hein. J'ai pas le niveau. Hein. Non, je rigole. Bon, j'ai créé une partie pour qu'on m'entende pas. Tous les autres m'entendront pas. C'est cool. Revoir tomber le ciel. Aller au cratère, examiner la comète, chercher du matériel d'analyse dans la zone, protéger les capteurs de... et lancer l'expérience. Évidemment, je vais pas faire les 17 missions, je vais essayer de faire comme par rapport à l'autre truc, par rapport aux autres trucs. Tu sais, où il faut juste chercher des trucs, genre des bananes ou quoi, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai abusé, il faut pas chercher des bananes, mais. Il fallait par exemple. Chercher des cochonneries ou quoi là, et des missions comme ça, frère. Pas des couilles. Pas intéressant à jouer, quoi. Voilà, la première mission, c'est obligé, je la fais, genre. J'aime pas assez de puissance en plus. J'ai un de puissance de moins que la mission. La tenue, elle est stylée en vrai. Moi, hein. Bon, c'est pas la tenue la plus exceptionnelle du monde, hein, mais. Wow. Ouais. C'est la comète de l'an dernier. Ça y ressemble. Vous devriez peut-être partir en courant. Ouais. Ouais, on devrait. Y'a carburant quoi. Dans l'histoire. Pour les objets figés dans leur chute. Si vous ne comptez pas vous mettre à l'abri, vous pourriez peut-être faire quelques relevés. Dommage que j'avais pas commencé. Oui, bien sûr. La saison 1 quoi. Plutôt au début quoi. J'aurais toutes les tenues depuis le début de... C'est ça la comète là? Ah ouais, elle est géante. Il faut faire quoi exactement? Juste aller là-bas? Ah bus, c'est moi qui ai le plus de puissance. De la dernière fois, ouais, mais j'ai pas de quoi il parle là. Hein. Dernière fois, genre il dirait que j'ai joué. Je fais juste mon petit tour de map vite fait là et après je vais aller à la comète, hein, bien sûr. Je crois qu'il faut être tout le temps, tout le monde dedans pour que ça commence ou c'est comment genre? C'est une mission annexe ça ou quoi? Je sais pas ce que c'est dire annexe hein, mais j'ai dit ça comme ça. Annexe. Il a pas écrit ce qu'il faut faire à droite là. Ouais, je vais rejoindre mes petits potes. Ok, Denis Junior.
Franchement, elle est énervée, hein, la petite comète là. C'est la même que dans le BR du coup. Ouais, c'est typiquement l'émission éclatée, ça. Je recherchais des trucs et après. J'avoue, la mission, j'aurais pu la faire déjà hier, mais. J'avais pas mal de. Bah, j'ai pas trop joué en vrai. J'étais un petit peu occupé à faire d'autres choses. Comme jouer par exemple, mais. Mais pas là-dedans quoi, vu que ça avait marqué qu'il y avait des petits bugs, donc installer les capteurs, on va faire ça tout de suite. Ah, lui il parle que en mots, lui il fait des phrases, non? Je sais pas ce qu'il fallait faire, mais bon. Ça a dû protéger, je protège. Non? Je sais pas. Hein. Toujours aussi éclaté en construction, moi. Ok, du coup c'est Dennis qui rencontre son fils. Tôt rencontre. Son fils le va à sa rencontre en gros. Super. Qui vient du futur. Ça a l'air assez rapide, je vais peut-être en faire un deux du coup. Je peux en voir ce qu'il faut faire après quoi. On va faire double pompe hein. J'ai jamais réussi moi le double pompe. Mais quand je le faisais, c'était bien kiffant, ouais. Il a ramassé les pompes chasseurs. Puma. Vas-y, tu commences, j'ai envie de voir ce qui se passe. Merde. Défendez les capteurs.
Ah ouais, c'est stylé. Oh, mais les deux là qui sont puissants 56 et 5 et 50, ils vont un peu galérer quoi. Ah, c'est un B, ils prennent. L'atmosphère quand même, elle est stylée, j'aime bien. Une bonne ambiance, tôt. En vrai, je peux mettre ça, hein, je suis con. Mec. Mal ces bâtards. Oh, j'aime bien l'atmosphère en vrai. C'est qui le bâtard qui m'a enfermé? Oh ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je vais mourir. Pas des sols plats, du coup je peux pas mettre mes trucs. Putain, ils sont chiants les mecs avec leurs pistolets là. Ils savent pas se battre. Eux. Bah ouais, mais ils savent pas se battre les mecs au pistolet. Ils viennent par derrière, tu sais même pas où ils sont, genre. C'est moi qui ai le plus de puissance, c'est moi qui meurs quoi. Oh bah tiens, ça marche d'un coup. Je pensais que j'avais mon pompe, c'est pour ça. Il va pas me lâcher ce spectre, hein. C'est bon, on a réussi. Pour l'instant, t'inquiète, on revient, t'inquiète.
Tu veux toi? La comète Junior, ah ouais. Ok, c'est, ça a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa à la suite. Du coup, on va savoir comment ils meurent, quoi, les gens. Ok. Allez, le jeu, s'il te plaît. J'aime pas le son là. L'arrière-son là, je sais pas ce que c'était. Il y a un bruit de moto bizarre. Hein. D'aspirateur, je sais pas, mais. Aspirateur futuriste, hein, bien sûr. Putain, je rigole. Imagine les gars. Dis de la merde. On a combien de temps pour finir ce truc là? C'est combien de jours? Je pense jusqu'à la prochaine saison, non? Ou peut-être un peu moins quand même. Ah, ça. Tu réfléchis aux prédictions de Dennis Junior? Qu'est-ce qu'on fait? Détruire des machines à pièces pour collecter les pièces qu'elles contiennent. Ça c'est pas ouf, j'ai pas vous montrer je pense. J'ai juste le, bon, laisser le dialogue du coup. Nihilisme, je connais pas ça, moi. Charlatan, ça se dit encore ce mot. C'est bon, elle a fini de parler. Mais Ray, je kiffe le personnage. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Hein. Bon bah du coup, je vais pas vous montrer la suite et je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure.